Comme chaque année, s'est tenue la convention Animest à Nancy en novembre, qui accueille les amateurs de culture japonaise. Le responsable de la communication nous en dit plus. Ça nous demande beaucoup de boulot, on est une équipe de 30 intervenants, enfin de 30 responsables tout au long de l'année, on travaille dessus et on fait ça à côté de notre vie d'étudiants et des bénévoles. Et du coup, au final, c'est plus un plaisir qu'autre chose. La convention propose différentes activités telles que des jeux d'arcade, de société et musicaux. Mais également du sport, avec de la danse, déguisée bien sûr, du ninjutsu, et même des combats de sumo. Pour le plaisir des yeux, on retrouve des ateliers de dessin et de peinture. La radio est également présente, ainsi que des youtubeurs connus pour des séances de dédicaces. On peut y acheter aussi bien des mangas que des produits dérivés tirés de leur univers, des armes factices, des peluches, des figurines. Enfin, le salon accueille cette fois encore le concours Eurocosplay, qui permet de récompenser les déguisements les plus réussis, sans oublier la prestation scénique qui a aussi son importance. Retrouvons-nous l'année prochaine pour cette convention d'anciennes dont le succès grandit à chaque édition. Arigato gozaimasu!